Les amis, Dieu est grand et l'homme est petit. Je suis là pour vous dire merci, pour dire toute ma gratitude, vous qui m'avez témoigné votre compassion, vous qui m'avez apporté votre soutien, vous qui m'avez témoigné votre amitié sincère, filles et garçons. Je voudrais dire merci à tous mes collègues artistes, ceux qui sont venus à la maison pleurer avec moi, ma maman, ceux qui m'ont envoyé des messages de compassion. Je voulais leur dire mon respect et ma gratitude. Je l'ai dit, l'homme est petit et Dieu est grand. Au moment où nous sommes, comme je connais ma mère, je suis sûr qu'elle est en train de proposer à Dieu, notre Créateur, de lui faire des plats. C'était sa spécialité. Maman a bien vécu. Elle a accompli sa mission. Je suis certain que Dieu est content d'elle. Je suis certain que Dieu est tenté de lui poser mille et une questions sur son fils. Je vais aller à Paris dans 2 ou 3 jours pour conduire maman en île avec mes frères, avec mes sœurs, à sa dernière demeure, au cimetière de Tremblay en France, juste à côté de mon papa, qui y a été enterré il y a 4 ans. Je félicite mes frères, mes sœurs qui sont en France, qui ont eu la généreuse idée que moi j'ai épousée, de trouver un caveau juste à côté de papa. Et je pense que les deux tourtereaux, si j'ose dire, sont en train de rigoler. Une fois de plus, merci à vous les amis. Je compte sur vous, vous qui êtes en France, pour que le même vendredi 16 octobre, nous nous retrouvions à l'église pour qu'ensemble nous rendions grâce à notre chère maman, maman amie, avant de la conduire vers 16h au cimetière de Tremblay en France. Que Dieu vous protège et n'oubliez pas, l'homme est petit, c'est Dieu qui est grand. Vous allez avoir bientôt l'une des chansons que j'ai dédiée à ma maman et qui s'appelle Requiem. À bientôt. Et d'ici la bonne santé, le 16 octobre, au cimetière de Tremblay, en France. Mais avant ça, nous allons tous nous retrouver à l'église pour un hommage posthume à maman Annie. Merci. Les amis, Dieu est grand et l'homme est petit. Je suis là pour vous dire merci, pour dire toute ma gratitude, vous qui m'avez témoigné votre compassion, vous qui m'avez apporté votre soutien, vous qui m'avez témoigné votre amitié sincère, filles et garçons. Je voudrais dire merci à tous mes collègues artistes, ceux qui sont venus à la maison pleurer avec moi, ma maman, ceux qui m'ont envoyé des messages de compassion. Je voulais leur dire mon respect et ma gratitude. Je l'ai dit, l'homme est petit et Dieu est grand. Au moment où nous sommes, comme je connais ma mère, je suis sûr qu'elle est en train de proposer à Dieu, notre Créateur, de lui faire des plats. C'était sa spécialité. Maman a bien vécu. Elle a accompli sa mission. Je suis certain que Dieu est content d'elle. Je suis certain que Dieu est tenté de lui poser mille et une questions sur son fils. Je vais aller à Paris dans 2 ou 3 jours pour conduire maman en île avec mes frères, avec mes sœurs, à sa dernière demeure, au cimetière de Tremblay en France. Juste à côté de mon papa, qui y a été enterré il y a 4 ans.
félicite mes frères, mes sœurs qui sont en France, qui ont eu la généreuse idée que moi j'ai épousée, de trouver un caveau juste à côté de papa. Et je pense que les deux tours de haut, si j'ose dire, sont en train de rigoler. Une fois de plus, merci à vous les amis. Je compte sur vous, vous qui êtes en France, pour que le même vendredi 16 octobre, nous nous retrouvions à l'église pour qu'ensemble nous rendions grâce à notre chère maman, maman amie, avant de la conduire vers 16h au cimetière de Tremblay en France. Que Dieu vous protège et n'oubliez pas le mercredi. C'est Dieu qui est grand. Vous allez avoir bientôt l'une des chansons que je dédie à ma maman et qui s'appelle Requiem. À bientôt et d'ici la bonne santé, le 16 octobre au cimetière de Tremblay en France. Mais avant ça, nous allons tous nous retrouver à l'église pour un hommage posthume à ma mère. Merci. Salut les amis, ici Bossia Moka, votre frère. Je suis là pour vous annoncer que avant la fin de la semaine qui commence demain, vous aurez dans Saba Congolais mon son qui arrive après Bado, une vidéo des plus belles. Je vous demande d'aller vous abonner massivement sur ma page Instagram Kofi Olomide et de vous ruer par millions sur cette vidéo, sur ce son qui va, ma foi, vous faire beaucoup, beaucoup de bien. En attendant la date de notre vie, le 13 février 2021, Paris La Défense Arena, en attendant l'album Legend qui est en retard à cause de la Covid-19. Prenez soin de vous et sans modération, consommez avant la fin de cette semaine dans Saba Congolais qui est une danse pour tous les Africains, pour toute l'Afrique. Bonne santé. Vous êtes du pays de mon cœur. Salut les amis, ici Bossia Moka, votre frère. Je suis là pour vous annoncer que avant la fin de la semaine qui commence demain, vous aurez dans Saba Congolais mon son qui arrive après Bado, une vidéo des plus belles. Je vous demande d'aller vous abonner massivement sur ma page Instagram Kofi Olomide et de vous ruer par millions sur cette vidéo, sur ce son qui va, ma foi, vous faire beaucoup, beaucoup de bien. En attendant la date de notre vie, le 13 février 2021, Paris La Défense Arena, en attendant l'album Legend qui est en retard à cause de la Covid-19. Prenez soin de vous et sans modération, consommez avant la fin de cette semaine dans Saba Congolais qui est une danse pour tous les Africains, pour toute l'Afrique. Bonne santé. Vous êtes du pays de mon cœur. Salut les amis, ici Bossia Moka, votre frère. Je suis là pour vous annoncer que avant la fin de la semaine qui commence demain, vous aurez dans Saba Congolais mon son qui arrive après Bado, une vidéo des plus belles. Je vous demande d'aller vous abonner massivement sur ma page Instagram Kofi Olomide et de vous ruer par millions sur cette vidéo, sur ce son qui va, ma foi, vous faire beaucoup, beaucoup de bien. En attendant la date de notre vie, le 13 février 2021, Paris La Défense Arena, en attendant l'album Legend qui est en retard à cause de la Covid-19. Prenez soin de vous et sans modération,
consommer avant la fin de cette semaine, danse eba congolais, qui est une danse pour tous les Africains, pour toute l'Afrique. Bonne santé. Vous êtes du pays de mon cœur. Les amis, Dieu est grand et l'homme est petit. Je suis là pour vous dire merci, pour dire toute ma gratitude, vous qui m'avez témoigné votre compassion, vous qui m'avez apporté votre soutien, vous qui m'avez témoigné votre amitié sincère, filles et garçons. Je voudrais dire merci à tous mes collègues artistes, ceux qui sont venus à la maison pleurer avec moi, ma maman, ceux qui m'ont envoyé des messages de compassion. Je voulais leur dire mon respect et ma gratitude. Je l'ai dit, l'homme est petit et Dieu est grand. Au moment où nous sommes, comme je connais ma mère, je suis sûr qu'elle est en train de proposer à Dieu, notre Créateur, de lui faire des plats. C'était sa spécialité. Maman a bien vécu. Elle a accompli sa mission. Je suis certain que Dieu est content d'elle. Je suis certain que Dieu est tenté de lui poser mille et une questions sur son fils. Je vais aller à Paris dans 2 ou 3 jours pour conduire maman Annie avec mes frères, avec mes sœurs, à sa dernière demeure, au cimetière de Tremblay en France, juste à côté de mon papa, qui y a été enterré il y a 4 ans. Je félicite mes frères, mes sœurs qui sont en France, qui ont eu la généreuse idée que moi j'ai épousée, de trouver un caveau juste à côté de papa. Et je pense que les deux tourtereaux, si j'ose dire, sont en train de rigoler. Une fois de plus, merci à vous les amis. Je compte sur vous, vous qui êtes en France, pour que le même vendredi 16 octobre, nous nous retrouvions à l'église pour qu'ensemble nous rendions grâce à notre chère maman, maman amie, avant de la conduire vers 16h au cimetière de Tremblay en France. Que Dieu vous protège et n'oubliez pas, l'homme est petit. C'est Dieu qui est grand. Vous allez avoir bientôt l'une des chansons que je dédie à ma maman et qui s'appelle Requiem. À bientôt. Et d'ici là, bonne santé. Le 16 octobre, au cimetière de Tremblay, en France. Mais avant ça, nous allons tous nous retrouver.